Bovenière, c'est aujourd'hui un bâtiment historique, Lousseau de Bovenière, qui était là où toute l'histoire a commencé il y a 72 ans. Restaurant un peu emblématique de la gastronomie française. Aujourd'hui, on essaie déjà de se faire plaisir, de venir, de créer une alchimie entre le lieu, l'équipe et la clientèle. Tellement de choses à faire parce qu'on a un patrimoine à l'extérieur qui est énorme, on a beaucoup de terrain, donc l'année prochaine on a créé un deuxième potager, on va en faire un troisième sur la tomate pour que les clients en fin de repas le midi puissent aller cueillir 2-3 tomates pour les manger le soir. On va mettre des cochons, on va mettre des ruches avec un champ de fleurs complètement pour qu'ils puissent butiner une variété de fleurs qu'on aura choisi. Surtout des produits qu'on trouve pas dans le commerce, c'est-à-dire qu'un paysan normalement constitué, lui, il attend que les légumes grossissent, que ce soit les petits pois, le haricot vert. Quand ils ont un certain poids, ils ramassent tout d'un coup. Et que nous, on passe dans les raies comme ça, on fait tous les jours. Évidemment, on met 2 heures pour ramasser 500 grammes de haricot vert. Je pense que quand on est connecté à son produit, on vit mieux, on le ressent mieux, on le travaille mieux. Donc voilà, et puis nous, c'est génial de temps en temps de sortir notre cuisine, de sortir un peu de cette enveloppe pour aller voir un peu ce qui se passe dans notre potager qui est à 150 mètres. On essaye d'aller plus loin que la casserole et le feu. Là, on a de l'ail noir compoté avec des échalotes confites et du jus de volaille, un peu de ciboulette pour la fraîcheur, un petit morceau de citron confit, mais un segment, pas le zeste. Accorder les grenouilles, on a choisi un pain au petit épeautre. Donc le petit épeautre, c'est une ancienne variété de blé. Donc c'est un petit goût torréfié, c'est un goût assez spécial, c'est très doux en bouche. Forcément le pain, c'est pas de prendre le dessus du plat, c'est vraiment de l'accompagner, de le sublimer. Donc on voulait un pain assez léger, sans avoir un pain non plus blanc classique, mais quand même qu'on ait une typicité dans le pain. On a créé des pains pour nos plats. C'est-à-dire qu'au même titre que le sommelier fait des accords mets vins, nous on a fait des accords pain plat. Il nous apporte un point de vue cuisinier à notre métier que nous on n'a pas forcément en tant que boulanger. En boulangerie, voilà, on peut faire plein de choses, mais on hydrate beaucoup les pains avec de l'eau, puis on rajoute des ingrédients. Ici, je prends directement des réductions, des bouillons. Par exemple, on a un pain en tétragone, donc je récupère directement un bouillon de tétragone. Et ça, c'est un gros point fort pour un restaurant d'avoir un boulanger. Moi, je crée mes desserts, je propose au chef. Si ça lui plaît, ça lui plaît pas, si ça lui plaît, bah, on met à la carte. Après, si ça lui plaît pas, il me dit juste ce qui lui plaît pas. Et c'est à moi après de modifier par la suite. J'ai appris à travailler l'huile d'olive et à me l'approprier sur différents desserts. L'abricot cette année et le chocolat l'année dernière. Ça apporte beaucoup de rondeur. Ça surprend les gens, mais il faut aussi savoir trouver la bonne huile d'olive qui correspond au dessert. Mon grand-père, pour revenir toujours à lui, avait commencé à vendre du vin par correspondance. C'est une cave qui est très ancienne, puisque M. Tuillet, qui a été le fondateur de la maison, a commencé à la constituer dans les années 50. C'est des vins préphyloxériques qui sont toujours là, qui sont toujours présents dans la maison, et qui font partie, des caractéristiques de notre cave. Après, nous n'avons que des vins français, c'est un choix délibéré, surtout les vins aux alentours, puisque nous sommes à un carrefour entre le Rhône, la Provence et le Languedoc. Et puis la cave de Bovenière est exceptionnelle, pas loin de 70 000 bouteilles, avec des très très vieux millésimes. Je vous présente par exemple le vin romané 90 d'Henri Jaillet, le Croc Parentou, qui est un vin que le monde entier recherche. À l'époque, j'avais acheté ça dans l'équivalent de 30 euros aujourd'hui. C'est vraiment des vins de collectionneurs, parce que à ce prix-là, évidemment, vous comprenez que ce n'est pas des choses qu'on vend tous les jours, et heureusement, parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis là, je viens en me disant oh, on a encore plein de choses à faire, c'est génial, c'est-à-dire que je m'ennuie pas du tout.